Hello everyone, bienvenue sur ma chaîne, c'est Hyacinthe. Aujourd'hui, vidéo spéciale sport, on peut dire, parce que je vais suivre un programme pendant un mois. C'est le programme de Justine Gallis. Ce programme, normalement, est destiné pour durer 2 semaines. C'est un programme de HIIT, c'est-à-dire... High Intensity Interval Training. Donc des séances plutôt courtes mais assez intenses où je vais faire entre 4 et 6 exercices et entre 4 et 6 séries. Voilà, généralement les temps sont limités, c'est-à-dire qu'il y a environ 20, 30 ou 40 secondes d'exercice et 20, 30 secondes de repos entre chaque exercice. Et voilà, et ça je le ferai pendant un mois. Donc comment ça va fonctionner? Les 2 premières semaines, je le ferai en faisant de mon mieux en fait. Je vais essayer de suivre le programme, voir où sont mes limites, je vais voir si ça me correspond. Et toutes les choses que j'aurais pas réussi à faire, eh bien, je vais me donner comme objectif de réussir à les faire. Donc je recommencerai de zéro le programme, mais cette fois en essayant de respecter plus les temps de repos par exemple, ou bien plus les types d'exercices et ne pas changer l'exercice en mode facile. Voilà, je vais essayer de faire ce genre de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mon corps à la semaine 0. Ensuite, au bout de 2 semaines, je vous le montrerai au bout de 2 semaines et je vous le montrerai au bout de 1 mois. Et aussi, je me pèserai sur une machine à impédance qui est un petit peu... qui donne des indications sur le poids de mes muscles, de ma graisse corporelle, mon taux d'hydratation. Ça peut donner une idée de l'avancée de mon corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Donc voici mon corps au tout début. Comme vous pouvez le constater, je suis tout en forme. J'ai du gras, j'ai des muscles aussi. Donc voilà, on ne peut pas dire que je sois la fille la plus fine du monde. Mais je suis pas grosse non plus, je suis peut-être considérée comme grosse pour certains français, mais pour la majorité du monde, je pense que je suis plutôt dans la moyenne. Et j'espère que je m'améliorerai pendant ce mois. Entre parenthèses, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer uniquement le premier set d'entraînement, parce que sinon la vidéo elle va durer une plombe, mais je vais faire évidemment toutes les séries. C'est censé durer pendant 2 semaines, donc ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le programme, je vais pas suivre les jours exactement, mais je vais suivre le rythme de ce programme pendant 1 mois, c'est-à-dire que je vais faire 2 semaines et je vais recommencer encore une fois, parce que généralement on n'a pas les résultats tout de suite en 2 semaines quoi. Donc il vaut mieux que je le refasse et qu'on voie éventuellement les résultats après 2 semaines et ensuite les résultats après 1 mois. Et si je me sens, je continue le programme et puis les résultats après 2 mois. Enfin on verra. En tout cas pour le premier exercice, enfin pour le premier workout, c'est du full body. Et cette séance full body, elle a 5 exercices que je dois répéter 4 fois. Donc pour ça, j'utiliserai un Tabata timer que j'organise moi-même. Et en fait, elle écrit qu'il faut 20 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. Donc c'est ça que je vais faire. C'est parti! Now go!
Bon les gars, je suis toute courbaturée déjà. Il fait froid dehors. Eh bien, on continue. Il n'y a pas de jour de repos là et je continue avec une séance full body. Cette fois, je vais faire 5 exercices, 5 tours. Je vais mourir. Alors, petit feedback concernant ce training. Comment commencer ? Premièrement, c'est vraiment pas pour débutants. Ça s'est corsé, mais genre, il n'y a pas eu d'étapes, j'ai l'impression. Ou alors les étapes qui étaient avant, je sais pas. Je pense que les étapes ont été un petit peu accélérées, parce que pour cet exercice-là, honnêtement, j'ai pas pu suivre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai respecté les temps, c'est-à-dire j'ai fait 35 secondes d'exercice, 25 secondes de repos, mais entre chaque tour, j'ai pris mon temps, quoi, j'ai respiré, parce que mon cœur, il suit pas. Mon cardio, il est proche de zéro, moi. Donc étant donné que mon cœur, il suivait pas et que j'étais essoufflée, on dirait que j'étais asthmatique, j'ai pris mon temps, j'ai préféré prendre des pauses plus longues, tant pis. Sinon, deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que les exercices qu'on fait sollicitent beaucoup le psoas, l'iliopsoas. Et quand on est débutant, la limite en fait entre contracter son psoas et contracter ses abdos quand on fait ce genre d'exercice, elle est très très fine, ça se joue à ça en fait. Si on ne s'entraîne pas bien, si on ne se focalise pas bien sur ses abdos, très vite on va entraîner notre psoas et un petit peu moins nos abdos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu ralenti la cadence. Au lieu de me dépêcher, de sauter, de faire tout très très vite, je contractais mes abdos et j'essayais de faire l'exercice correctement. Et enfin, pour ce qui était du monté de genoux, eh bien j'ai tellement mal au mollet droit en fait que j'ai pas réussi. Je me sentais bloquée, ça faisait super mal, du coup j'ai remplacé cet exercice par du tipping. Celui où on est comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, les exercices sont bien, il n'y a pas de souci. Juste, j'ai l'impression qu'on a monté d'un niveau vraiment très vite, là. Je comprendrais pourquoi certaines filles abandonnent à ce point-là. Ce point-là, pourquoi pas avant? Parce qu'avant, c'était dur, mais faisable. Et là, c'est très, très dur. Et si on ne se met pas dans la tête qu'on va le faire, on continue le programme, il y a certaines personnes qui pourraient abandonner à ce niveau-là, je pense, parce que c'est vraiment à ce moment-là que le level augmente ultra vite. Donc mes conseils aux personnes qui veulent faire ce programme, n'abandonnez pas, mais plutôt ralentissez la cadence. Voilà, respectez les temps, mais juste entre les tours, reposez-vous, quoi. Prenez 2 minutes de repos et pas seulement 30 secondes. Voilà. Pour info, pour cette séance, il y a deux exercices que j'ai pas pu faire en tant que tel. J'ai pu le faire pour la première série, mais même pendant la première série, j'ai senti que j'avais pas trop de force. Le premier exercice, c'est... Première série.
Le premier exercice, c'est l'exercice où on est en planche et on doit passer sur les coudes. Celui-là, au bout de la deuxième série, j'ai dû me mettre sur les genoux parce que j'avais plus de force, j'avais pas assez de force pour ça. C'est comme la séance d'hier, les pompes, j'ai dû les faire sur les genoux parce que j'avais pas assez de force. Et sinon, le deuxième exercice, c'est les obliques haltères. Normalement, on doit avoir les pieds surélevés. J'ai pas assez de force pour ça, du coup, je les mets au sol. Mais sinon, je fais les tours comme il faut, mais voilà. Les exercices, je suis incapable de les faire, j'ai pas assez de force. Allez, training numéro 10. Cette fois, on monte un petit peu d'un level parce que au lieu de faire 35 secondes d'exercice, on passe à 40 secondes d'exercice. Et au lieu de 25 secondes de repos, on passe à 20 secondes de repos uniquement. Ça y est, on en est au dernier entraînement du programme de 2 semaines. Je ne sais pas si je vais être capable de faire le rameur sur step, parce que mon step, c'est pas un vrai step. Je ne vais pas être très stable dessus. Donc voilà, c'est le dernier entraînement, mais uniquement du programme. C'est-à-dire que moi, je continue le programme, je recommence la boucle en fait. Donc dès demain, je recommence le training numéro 1 et mon objectif dans la poursuite de ce programme, c'est de pouvoir faire tous les exercices cette fois sans aide particulière, essayer de pouvoir être capable de faire tous les exercices et pas de faire des variantes plus faciles, même si je sais que pour les pompes, honnêtement, j'ai vraiment du mal à ne pas les faire sur les genoux, c'est vraiment très dur pour moi. Donc c'est ça le premier objectif, faire les exercices tels qu'ils sont décrits. Et le deuxième objectif, c'est de prendre un petit peu moins de temps de repos entre les tours, parce qu'il y avait certains trainings où le cardio était tellement demandé que mon cœur ne suivait pas. Donc peut-être que là, mon cœur s'est un petit peu plus habitué et il sera capable de suivre un petit peu plus. Donc voilà, 2 objectifs pour cette boucle que je vais recommencer. Je vais bien évidemment demain matin me peser et vous montrer mes résultats de ces 2 semaines d'entraînement. Et pour les 2 semaines de la boucle que je vais refaire, je ne vais pas me filmer parce que c'est exactement la même chose que je vais faire. Par contre, vous me reverrez 2 semaines plus tard pour que je vous montre mes résultats. Du coup, après 1 mois d'entraînement, je vous dirai bien entendu ce que j'en ai pensé, si je me suis améliorée ou pas. Et on verra ce que ça m'a apporté de faire 1 mois de programme de Justine Galis et si vraiment ça m'a beaucoup apporté, mais même si ça m'a pas beaucoup apporté parce que c'est du sport, c'est agréable, c'est sympa, peut-être que je suivrai d'autres programmes de Justine, peut-être que je suivrai d'autres vidéos de Justine, je sais pas encore. Là c'était pratique pour moi parce que c'était un programme déjà tout fait, j'avais envie de le suivre. Je sais que pendant le confinement Justine a proposé des séances en live avec elle, mais moi j'avais pas envie d'être obligée de suivre un horaire particulier. J'aime faire mon sport quand j'en ai envie en fait. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de faire un programme déjà prédéfini. C'est parti pour mon dernier entraînement. Let's go!
Ça y est, j'ai terminé le programme de 2 semaines de Justine Galis, donc il me reste encore 2 semaines à faire. Je vais vous parler un petit peu de mon feedback de ces 2 semaines. Déjà, je trouve que c'est un bon moyen de rester active pendant le confinement. Tous les matins, j'avais ma petite mission, tous les matins, sauf les jours de repos, j'avais ma petite mission d'aller faire mon petit sport. Et ce programme, vu qu'il est déjà préécrit, qu'elle fait des petites vidéos pour nous montrer comment faire, et que tout est bien décrit, et eh bien en fait c'est assez facile à suivre. Ensuite, au niveau des exercices en eux-mêmes, ils sont pas très difficiles à réaliser. Moi franchement, ceux qui m'ont posé le plus de problèmes, c'est les pompes. Honnêtement, les pompes, j'arrive pas à en faire plus de 10 sur les pieds, je suis obligée de me mettre sur les genoux. Du coup, je faisais des pompes sur les genoux en fait, tout simplement, et on verra, peut-être que j'arriverai à m'améliorer pour les prochaines semaines. Ah oui, aussi j'avais du mal, mon cœur suivait pas, honnêtement, j'ai du mal avec le cardio. Et donc, les temps de repos entre séries, pas entre exercices je les respectais, mais entre séries, je prenais des pauses plutôt longues, enfin ça dépendait des trainings, mais il y avait des trainings, c'était vraiment, vraiment dur pour moi. Mais j'ai tout fait, j'ai continué, j'ai pas abandonné, et je compte continuer pendant 2 semaines parce que si vous voulez qu'on regarde les résultats là ensemble, au niveau de mon corps, je trouve pas qu'il ait beaucoup changé, honnêtement. Je pensais que j'avais minci, je ressentais la sensation d'avoir un petit peu minci, mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup minci finalement. Et quand on regarde au niveau de la balance, quand on regarde au niveau de la balance, et ben finalement, et ben c'est pas beaucoup. Attendez, non non. En même temps, au bout de 2 semaines, tu t'attendras quoi, hein? 2 semaines. Non non, il faut minimum 1 mois pour voir un petit peu de changement. Donc pas de fausses joies ni de fausses attentes. Je savais que je changerais pas beaucoup. Mais alors c'est rigolo parce que quand je regarde sur la machine la manière dont j'ai évolué, en fait, j'ai perdu 400 grammes, mais en masse musculaire. Hein. J'ai perdu de la masse musculaire, j'ai même pas perdu du gras. Je comprends pas, ça me dépasse. Ok. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu aléatoire, hein, les résultats de cette machine, parce que honnêtement, je trouve ça trop bizarre. Après, si c'est le cas, tant pis pour moi. Enfin... peut-être que ça va améliorer mon cardio, on verra. Ça, je le verrai au bout des... enfin, pour les 2 prochaines semaines, je verrai si mon cardio s'est un petit peu amélioré. Sur ces images, vous pourrez voir l'évolution de mon corps. À gauche, le jour 0, c'est-à-dire avant le programme. À droite, après le programme, enfin, c'est-à-dire après 2 semaines. Vous allez remarquer qu'à droite, je souffle. C'est pour détendre mon ventre, en fait, pour pas que je le retienne, pour pas que je force sur les abdos. Je trouve que mon corps n'a pas changé, franchement. En même temps, au bout de 2 semaines, il fallait pas s'attendre à un miracle, mais ça faisait quand même du bien. C'est pas grave si mon corps n'a pas encore changé, on verra si au bout d'un mois, il y a du changement. Les résultats indiquent que j'ai perdu 400 grammes, mais je vois pas de réduction dans la masse graisseuse. Par contre, je vois de la réduction dans la masse musculaire. Donc, on peut pas dire que ça ait évolué positivement. On verra au bout d'un mois, 2 semaines, honnêtement, ça veut vraiment rien dire. Donc, au sujet de ce que je mangeais chaque jour. Déjà, j'ai commencé Keetok presque en même temps, en fait, que j'ai commencé le programme. Le midi et le soir, du coup, je mangeais Keetok, donc j'avais des petites recettes. Moi, je considère que c'est des recettes plutôt équilibrées. Donc, voilà. C'est pas des recettes diététiques, hein. C'est des recettes équilibrées pour moi. Je ne me suis pas mise à la diète, c'est-à-dire que je ne me suis pas affamée. Je ne me suis pas empêchée de manger des choses. Après, il y a des choses que j'avais pas parce qu'on n'allait plus faire les courses, mais à part ça, voilà. Et qu'est-ce que je mangeais le matin? Eh bien, j'allais faire mon sport à jeun, généralement. Et comme je me levais assez tard, ben, c'était le moment de manger le repas de midi, donc je mangeais rarement des petits-déj. Et si jamais j'en mangeais un, c'était souvent plutôt donc après mon sport, et c'était du muesli aux fruits, en fait.
Et bah après, j'en avais plus, muesli, donc ça c'était mort. Du coup, j'ai mangé une ou deux fois des Weetabix avec du miel. Et donc du lait d'amande, ça c'est le. Je bois de la boisson à l'amande généralement avec mes céréales. Et puis il y a une fois où j'ai goûté un Impact Diet Whey de MyProtein sous forme de. Qu'est-ce que j'avais fait? De café frappé en fait, c'était trop bon. Donc, pour le goûter, je mangeais des barres MyProtein parce que je fais une vidéo où je teste un petit peu toutes les barres qui existent de chez MyProtein. Et donc je goûtais une ou deux barres mais je mangeais que la moitié puisqu'on partage avec Yanis. Bon, au niveau de l'alimentation, c'est bon, je pense que vous savez tout. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser plus précises. En tout cas, pour les deux premières semaines, il n'y a pas eu de gros changements, hein, y a pas eu de changements majeurs. Je pense m'être un petit peu améliorée en cardio et l'air de rien, je suis restée active et ça c'est le plus important en fait pour le corps peut-être, même s'il y avait beaucoup de changements, et pour le moral. Ça y est, j'ai fini le dernier exercice du dernier hit du programme et je suis en nage. Oh là là, j'ai fait mon sport dedans parce qu'il pleut dehors et du coup il n'y a pas d'air pour pour que je respire et du coup bah je suis dans cet état là, je suis morte. Donc on se retrouve demain pour bah, le résultat final et ce que j'ai pensé de ce programme. Allez, à demain. Donc vite fait, au niveau des exercices, toutes les pompes je les ai faites sur les genoux et non sur les pieds parce que je suis tout simplement incapable de les faire sur les genoux. J'arrive pas à en faire beaucoup, j'ai pas assez de force, vraiment, c'est dur. Les dips, je rapprochais un petit peu les pieds de la chaise parce que pareil, c'était un calvaire pour moi. Et enfin, je me suis améliorée en cardio parce que cette fois, entre chaque tour, je mettais une minute et pas une de plus. Donc, je respectais les temps et donc, on peut dire que c'est une belle amélioration. Ça y est, j'ai terminé le programme de Justine Galis. J'ai fait tous les hits qu'elle nous a proposés pendant ces deux semaines fois deux. Et on en est au bilan. Et le bilan, c'est qu'il n'y a rien qui changeait. À gauche, avant, à droite, après. Perso, je vois absolument aucune différence. Juste la qualité et la luminosité de la vidéo est différente. Sinon, mon corps n'a vraiment pas changé, voilà. En fait, comment vous expliquer? J'ai un métabolisme lent et pour moi, que mon corps change, c'est assez difficile. C'est vraiment une épreuve. Donc même si je ne me considère pas comme grosse, je ne me considère pas non plus comme fine et pas suffisamment tonique à mon goût. Donc j'adore faire de la muscu, mais je déteste le cardio. Donc la solution pour moi, c'était vraiment de faire ces hits parce que c'est un moyen de faire du cardio de façon plus intense mais plus courte. Donc c'est la solution pour moi. Sachant que ça dépend des goûts. En fait, scientifiquement, c'est la même chose que vous fassiez de la course ou du hit pour votre corps. C'est juste une question de goût. Et moi, j'aime pas le cardio endurant qui dure trop longtemps, même si je sais que c'est bon pour le cœur. Donc il va peut-être falloir que je fasse des concessions un jour, que je fasse un truc de cardio. Peut-être qu'un jour je consulterai un coach, hein, carrément. En attendant, j'ai choisi de faire des hits parce que j'avais envie de tester. J'avais déjà fait des hits, mais jamais comme ça, vraiment sous forme de programme. Donc j'ai testé quelque chose de nouveau. Et ce que j'en ressors, c'est que je suis pas une grande fan. C'est-à-dire que c'est sympa d'en faire, mais pas que quoi, genre ça me manque de faire de la muscu. Moi ce que j'aime c'est les sports de puissance, les sports de force. J'aime pas forcément les sports qui me demandent uniquement de l'endurance et du cardio. J'aime la puissance. Et c'est vrai que je trouve mon bonheur plutôt dans ce genre de sport et un petit peu moins dans le cardio. Donc je ne pense pas continuer le programme
de Justine Galis. Peut-être qu'un jour je testerai un de ses autres programmes. Sinon, pour la transformation, écoutez les gars, je suis désolée, mais il n'y a pas beaucoup de transformation. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en voyez une. Moi, perso, j'en vois pas. Donc, on va rester body positive et on va se dire que de toute façon, j'aime mon corps. Il m'a accompagnée durant cette petite expérience. Et je trouve qu'il a montré qu'il était très fort, mon corps, et qu'il méritait qu'on s'occupe de lui. Donc je continuerai à m'occuper de lui parce que je l'aime. Je sais que grâce à lui, je peux faire plein de choses dans la vie. Et petite chose très importante, je ne suis jamais malade. Donc je ne suis peut-être pas la plus fit, la plus fine, mais je suis en excellente santé. Je ne suis pas malade. En cette période du coronavirus, je sais que, donc là je reste chez moi, hein, pas de soucis, restez chez vous, restons chez nous. Mais je sais que j'ai des défenses immunitaires qui sont au top, mon corps est toujours en bonne santé, donc l'esthétique ça fait pas tout et j'aime mon corps parce qu'il est puissant, voilà. Mais c'est vrai que dans la vie, on a toujours tendance à un petit peu se comparer aux autres. Ou bien à se comparer à un idéal, ou bien juste à se comparer à nous-mêmes de quand on était avant, ou bien ce qu'on pourrait être dans le futur. Donc moi, c'est vrai que j'aimerais me sentir plus tonique, j'aimerais être plus belle, et les moyens que je vais mettre pour réussir, en fait, mes objectifs, ça va être non seulement de faire du sport, mais de manger correctement, de m'habiller comme j'aime, de me maquiller si ça me fait plaisir, si je me sens bien, si je me trouve belle avec, et aussi ne pas être trop dure avec moi-même, parce que c'est vrai que le voyage vers l'acceptation de soi et de son corps peut être très long et très difficile. Et donc je vous encourage à vous aimer comme vous êtes, mais ça ne vous empêche pas de tester de nouvelles expériences, ça ne vous empêche pas de tester des sports, ça ne vous empêche pas d'essayer d'atteindre, eh bien, vos objectifs, voilà. Tout en respectant évidemment votre santé. Pour moi, cette expérience était un échec en termes esthétiques, puisque mon corps n'a pas du tout changé. Sur l'impédance-mètre, sur la balance, on a bien vu qu'il n'y avait aucun changement. J'ai stagné, voire ça s'est aggravé, quoi, mon cas. Voici les résultats avec l'impédance-mètre, et je vous ai fait un petit tableau qui récapitule un petit peu tous mes résultats, et comme on peut le constater, j'ai pas beaucoup changé, j'ai un petit peu perdu de la masse musculaire. Pourquoi ? Et bien parce que j'ai arrêté la muscu, parce que ma salle est fermée, tout simplement, et que j'ai pas d'halter chez moi. Donc pas beaucoup de changements, tant pis. Mais au moins, j'ai pas grossi. Sachant que voilà, on est enfermé, on fait pas grand chose, donc bon, c'est positif aussi, hein. Mais je dois aussi accepter que mon métabolisme est assez lent et que pour perdre du poids, il faudrait que je fasse des efforts bien plus drastiques. Donc si jamais un jour je le décide vraiment, si j'ai l'argent, je pense que je consulterai plutôt une nutritionniste et un coach sportif pour être accompagnée. Mais en attendant, je considère que je mange bien. Peut-être que je mange pas parfaitement pour mincir, mais en tout cas je mange bien pour être en bonne santé. Et c'est quand même assez important, surtout à cette période. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette petite note et je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère, mes petits bisounours, que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que vous allez vous abonner parce que ça me fait super plaisir. Et dites-moi si vous-même, vous avez testé le programme de Justine Galis. Est-ce que vous avez testé un de ses autres programmes qui sont payants? Est-ce que vous suivez juste ses vidéos sur YouTube? Est-ce que vous avez vu des changements? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous avez découvert que le HIIT c'était votre nouvelle activité favorite? Moi non. Mais j'ai essayé. Allez mes petits bisounours, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.